Bonsoir, minuit 1 et 40 secondes sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Ceci est un nouvel épisode Écho dans la nuit, Benoît Muche au micro. Et cet épisode sera composé de quelques poèmes de Gérard de Nerval, suivi de la suite et la continuation des Mille et une nuits, les fameux contes qui font une audience conséquente, considérant que c'est un classique. À tout de suite. Myrto, poème de Gérard de Nerval, recueil Les Chimères, 1854. Je pense à toi, Myrto, divine enchanteresse, aux posilipes altiers de mille feux brillants, à ton front inondé des clartés d'Orient, aux raisins noirs mêlés avec l'or de ta tresse. C'est dans ta coupe aussi que j'avais bu l'ivresse, et dans l'éclair furtif de ton œil souriant, quand au pied d'Iacus on me voyait priant, car la muse m'a fait l'un des fils de la Grèce. Je sais pourquoi là-bas le volcan s'est rouvert. C'est qu'hier tu l'avais touché d'un pied agile, et de cendres soudain l'horizon s'est couvert. Depuis qu'un duc normand brisa tes dieux d'argile, toujours sous les rameaux du laurier de Virgile, le pâle Hortensia s'unit au myrte vert.
ni bonjour ni bonsoir, par Gérard de Nerval. Recueil Odelette, 1853. Sur un air grec. Le matin n'est plus, le soir pas encore. Pourtant, de nos yeux l'éclair a pâli. Mais le soir vermeil ressemble à l'aurore, et la nuit, plus tard, amène l'oubli. Horus, par Gérard de Nerval. Recueil Les Chimères, 1854. Le dieu Knef, en tremblant, ébranlait l'univers. Isis, la mère, alors se leva sur sa couche, fit un geste de haine à son époux farouche, et l'ardeur d'autrefois brilla dans ses yeux verts. « Le voyez-vous ? » dit-elle. « Il meurt, ce vieux pervers. Tous les frimas du monde ont passé par sa bouche. Attachez son pied tort, éteignez son œil louche. C'est le dieu des volcans et le roi des hivers. » L'aigle a déjà passé. L'esprit nouveau m'appelle. J'ai revêtu pour lui la robe de Cybèle. C'est l'enfant bien-aimé d'Hermès et d'Osiris. La déesse avait fui sur sa conque dorée. La mer nous renvoyait son image adorée. Et les cieux rayonnaient sous l'écharpe d'Iris. Le roi de Thulé, par Gérard de Nerval. Recueil poèmes divers. Il était un roi de Thulé, à qui son amante fidèle légua comme souvenir d'elle une coupe d'or ciselée. C'était un trésor plein de charme où son amour se conservait. À chaque fois qu'il y buvait, ses yeux se remplissaient de larmes. Voyant ses derniers jours venir, il divisa son héritage, mais il accepta du partage la coupe, son cher souvenir. Il fit à la table royale asseoir les barons dans sa tour. Debout et rangés alentour,
brillait sa noblesse loyale. Sous le balcon grondait la mer. Le vieux roi se lève en silence. Il boit, frissonne, et sa main lance la coupe d'or au flot amer. Il la vit tourner dans l'eau noire. La vague, en s'ouvrant, fit un pli. Le roi pencha son front pâli. Jamais on ne le vit plus boire. Une allée du Luxembourg, par Gérard de Nerval. Recueil Odelette, 1853. Elle a passé, la jeune fille, vive et preste comme un oiseau, à la main une fleur qui brille, à la bouche un refrain nouveau. C'est peut-être la seule au monde dont le cœur au mien répondrait, qui, venant dans ma nuit profonde, d'un seul regard l'éclaircirait. Mais non, ma jeunesse est finie. Adieu, doux rayon qui m'a lui, parfum, jeune fille, harmonie. Le bonheur passait, il a fui. Suite des mille et une nuits. Traduction de Galland.
Mais sire, poursuivit Scheherazade, après vous avoir parlé du pêcheur, il faut vous parler aussi de la cuisinière du sultan que nous allons trouver dans un grand embarras. Dès qu'elle eut nettoyé les poissons que le vizir lui avait donnés, elle les mit sur le feu dans une casserole avec de l'huile pour les frire. Lorsqu'elle les crut assez cuits d'un côté, elle les tourna de l'autre. Mais, ô prodige inouï! À peine furent-ils tournés que le mur de la cuisine s'entr'ouvrit. Il en sortit une jeune dame d'une beauté admirable et d'une taille avantageuse. Elle était habillée d'une étoffe de satin à fleurs, façon d'Égypte, avec des pendants d'oreilles, un collier de grosses perles, des bracelets d'or garnis de rubis, et elle tenait une baguette de myrte à la main. Elle s'approcha de la casserole, au grand étonnement de la cuisinière, qui demeura immobile à cette vue, et frappant un des poissons du bout de sa baguette. « Poisson, poisson, lui dit-elle, es-tu dans ton devoir ?» Le poisson n'ayant rien répondu, elle répéta les mêmes paroles, et alors les quatre poissons levèrent la tête tous ensemble et lui dirent très distinctement « Oui, oui, si vous comptez, nous comptons. Si vous payez vos dettes, nous payons les nôtres. Si vous fouillez, nous vainquons et nous sommes contents. » Dès qu'ils eurent achevé ces mots, la jeune dame traversa la casserole et rentra dans l'ouverture du mur, qui se referma aussitôt et se remit dans le même état où il était auparavant. La cuisinière, que toutes ces merveilles avaient épouvantées, étant revenue de sa frayeur, alla relever les poissons qui étaient tombés sur la braise. Mais elle les trouva plus noirs que du charbon et hors d'état d'être servis au sultan. Elle en eut une vive douleur, et se mettant à pleurer de toute sa force, « Hélas, disait-elle, que vais-je devenir? Quand je conterai au sultan ce que j'ai vu, je suis assurée qu'il ne me croira point. Dans quelle colère ne sera-t-il pas contre moi ?» Pendant qu'elle s'affligeait ainsi, le grand vizir entra et lui demanda si les poissons étaient prêts. Elle lui raconta tout ce qui était arrivé. Et ce récit, comme on peut le penser, l'étonna fort, mais sans en parler au sultan, il inventa une excuse qui le contenta. Cependant, il envoya chercher le pêcheur à l'heure même, et quand il fut arrivé, « Pêcheur, lui dit-il, apporte-moi quatre autres poissons qui soient semblables à ceux que tu as déjà apportés, car il est survenu certain malheur qui a empêché qu'on ne les ait servis au sultan. » Le pêcheur ne lui dit pas ce que les génies lui avaient recommandé, mais pour se dispenser de fournir ce jour-là les poissons qu'on lui demandait, il s'excusa sur la longueur du chemin et promit de les apporter le lendemain matin. Effectivement, le pêcheur partit durant la nuit et se rendit à l'étang. Il y jeta ses filets et, les ayant retirés, il y trouva quatre poissons qui étaient comme les autres, chacun d'une couleur différente. Il s'en retourna aussitôt et les porta au grand vizir dans le temps qu'il les lui avait promis. Ce ministre les prit et les porta lui-même encore dans la cuisine où il s'enferma seul avec la cuisinière qui commença à les habiller devant lui et qui les mit sur le feu, et comme elle avait fait des quatre autres le jour précédent. Lorsqu'ils furent cuits d'un côté et qu'elle les eut tournés de l'autre, le mur de la cuisine s'entr'ouvrit encore, et la même dame parut avec sa baguette à la main. Elle s'approcha de la casserole, frappa un des poissons, lui adressa les mêmes paroles, et ils firent tous la même réponse, en levant la tête. Alors, elle renversa encore la casserole d'un coup de baguette et se retira dans le même endroit de la muraille d'où elle était sortie. Le grand vizir, ayant été témoin de ce qui s'était passé, « Cela est trop surprenant, dit-il, et trop extraordinaire pour en faire un mystère au sultan. Je vais de ce pas l'informer de ce prodige. » En effet, il alla trouver et lui en fit un rapport fidèle. Le sultan, fort surpris, marqua beaucoup d'empressement de voir cette merveille. Pour cet effet, il envoya chercher le pêcheur. « Mon ami, lui dit-il, « ne pourrais-tu pas m'apporter encore quatre poissons de diverses couleurs ?»
Le pêcheur répondit au sultan que si sa majesté voulait lui accorder 3 jours pour faire ce qu'il désirait, il se promettait de la contenter. Les ayant obtenus, il alla à l'étang pour la 3e fois, et il ne fut pas moins heureux que les 2 autres, car du premier coup de filet, il prit 4 poissons de couleurs différentes. Il ne manqua pas de les porter à l'heure même au sultan, qui en eut d'autant plus de joie qu'il ne s'attendait pas à les avoir si tôt, et qui lui fit donner encore 400 pièces de sa monnaie. Dès que le sultan eut les poissons, il les fit porter dans son cabinet avec tout ce qui était nécessaire pour les faire cuire. Là, s'étant enfermé avec son grand vizir, ce ministre les babilla, les mit ensuite sur le feu dans une casserole, et quand ils furent cuits d'un côté, il les retourna de l'autre. Alors, le mur du cabinet s'entr'ouvrit, mais au lieu de la jeune dame, ce fut un noir qui en sortit. Ce noir avait un habillement d'esclave. Il était d'une grosseur et d'une grandeur gigantesque, et tenait un gros bâton vert à la main. Il s'avança jusqu'à la casserole, et touchant de son bâton un des poissons, il dit d'une voix terrible « Poisson, poisson, es-tu dans ton devoir ?» À ces mots, les poissons levèrent la tête et répondirent « Oui, oui, nous y sommes. Si vous comptez, nous comptons. Si vous payez vos dettes, nous payons les nôtres. Si vous fouillez, nous vainquons et nous sommes contents. » Les poissons eurent à peine achevé ces paroles que le noir renversa la casserole au milieu du cabinet et réduisit les poissons en charbon. Cela étant fait, il se retira fièrement et rentra dans l'ouverture du mur, qui se referma et parut dans le même état qu'auparavant. « Après ce que je viens de voir, dit le sultan à son grand vizir, il ne me sera pas possible d'avoir l'esprit en repos. Ces poissons sans doute signifient quelque chose d'extraordinaire dont je veux être éclairci. » Il envoya chercher le pêcheur. On le lui amena. « Pêcheur, lui dit-il, les poissons que tu nous as apportés me causent bien de l'inquiétude. Dans quel endroit les as-tu pêchés ?»« Sire, répondit-il, je les ai pêchés dans un étang qui est situé entre 4 collines, au-delà de la montagne que l'on voit d'ici. »« Connaissez-vous cet étang ?» dit le sultan au vizir. « Non, sire, répondit le vizir, je n'en ai jamais ouï parler. Il y a pourtant 60 ans que je chasse aux environs et au-delà de cette montagne. » Le sultan demanda au pêcheur à quelle distance de son palais était l'étang. Le pêcheur assura qu'il n'y avait pas plus de 3 heures de chemin. Sur cette assurance, et comme il restait encore assez de jours pour arriver avant la nuit, le sultan commanda à toute sa cour de monter à cheval, et le pêcheur leur servit de guide. Ils montèrent tous la montagne, et à la descente, ils virent avec beaucoup de surprise une vaste plaine que personne n'avait remarquée jusqu'alors. Enfin, ils arrivèrent à l'étang, qu'ils trouvèrent effectivement situé entre 4 collines, comme le pêcheur l'avait rapporté. L'eau en était si transparente qu'ils remarquèrent que tous les poissons étaient semblables à ceux que le pêcheur avait apportés au palais. Le sultan s'arrêta sur le bord de l'étang, et après avoir quelque temps regardé les poissons avec admiration, il demanda à ses émirs et à tous les courtisans s'il était possible qu'ils n'eussent pas encore vu cet étang qui était si peu éloigné de la ville. Ils lui répondirent qu'ils n'en avaient jamais entendu parler. « Puisque vous convenez tous, leur dit-il, que vous n'en avez jamais ouï parler, et que je ne suis pas moins étonné que vous de cette nouveauté, je suis résolu à ne pas rentrer dans mon palais, que je n'ai su pour quelle raison cet étang se trouve ici, et pourquoi il n'y a dedans que des poissons de 4 couleurs. » Après avoir dit ces paroles, il ordonna de camper, et aussitôt son pavillon et les tentes de sa maison furent dressées sur les bords de l'étang. À l'entrée de la nuit, le sultan, retiré sous son pavillon, parla en particulier à son grand vizir et lui dit « Vizir,
J'ai l'esprit dans une étrange inquiétude. Cet étang transporté dans ces lieux. Ce noir qui nous est apparu dans mon cabinet. Ces poissons que nous avons entendu parler. Tout cela irrite tellement ma curiosité que je ne puis résister à l'impatience de la satisfaire. Pour cet effet, je médite un dessein que je veux absolument exécuter. Je vais seul m'éloigner de ce camp. Je vous ordonne de tenir mon absence secrète. Demeurez sous mon pavillon. Et demain matin, quand mes émirs et mes courtisans se présenteront à l'entrée, renvoyez-les en leur disant que j'ai une légère indisposition et que je veux être seul. Les jours suivants, vous continuerez de leur dire la même chose, jusqu'à ce que je sois de retour. » Le grand vizir dit plusieurs choses au sultan pour tâcher de le détourner de son dessein. Il lui représenta le danger auquel il s'exposait et la peine qu'il allait prendre peut-être inutilement. Mais il eut beau épuiser son éloquence, le sultan ne renonça point à sa résolution et se prépara à exécuter. Il prit un habillement commode pour marcher à pied. Il se munit d'un sabre. Et dès qu'il vit que tout était tranquille dans son camp, il partit sans être accompagné de personne. Il tourna ses pas vers une des collines, qu'il monta sans beaucoup de peine. Il en trouva la descente encore plus aisée. Et lorsqu'il fut dans la plaine, il marcha jusqu'au lever du soleil. Alors, apercevant de loin devant lui un grand édifice, il s'en réjouit, dans l'espérance d'y pouvoir apprendre ce qu'il voulait savoir. Quand il en fut prêt, il remarqua que c'était un palais magnifique, ou plutôt un château, très fort, d'un beau marbre noir poli et couvert d'un acier fin et uni, comme une glace de miroir. Ravi de n'avoir pas été longtemps sans rencontrer quelque chose digne, au moins de sa curiosité, il s'arrêta devant la façade du château et la considéra avec beaucoup d'attention. Il avança ensuite jusqu'à la porte, qui était à deux battants, dont l'un était ouvert. Quoiqu'il lui fût libre d'entrer, il crut néanmoins devoir frapper. Il frappa d'un coup assez légèrement et attendit quelque temps. Ne voyant venir personne, il s'imagina qu'on ne l'avait pas entendu. C'est pourquoi il frappa un second coup plus fort. Mais ne voyant ni n'entendant personne, il redoubla. Personne ne parut encore. Cela le surprit extrêmement, car il ne pouvait penser qu'un château si bien entretenu fût abandonné. « S'il n'y a personne, disait-il en lui-même, je n'ai rien à craindre. Et s'il y a quelqu'un, j'ai de quoi me défendre. » Enfin, le sultan entra, et s'avançant sous le vestibule, « N'y a-t-il personne ? » s'écria-t-il, « pour recevoir un étranger qui aurait besoin de se rafraîchir en passant ?» Il répéta la même chose deux ou trois fois, mais quoiqu'il parlât fort haut, personne ne lui répondit. Ce silence augmenta son étonnement, et il passa dans une cour très spacieuse, et regardant de tous côtés pour voir s'il ne découvrait point quelqu'un, il n'aperçut pas le moindre être vivant. Il entra dans de grandes salles, dont les tapis étaient de soie, les estrades et les sofas couverts d'étoffes de la Mecque, et les portières des plus riches étoffes des Indes, relevées d'or et d'argent. Il passa ensuite dans un salon merveilleux, au milieu duquel il y avait un grand bassin avec un lion d'or massif à chaque coin. Les quatre lions jetaient de l'eau par la gueule, et cette eau, en tombant, formait des diamants et des perles. Ce qui n'accompagnait pas mal un jet d'eau qui, s'élançant du milieu du bassin, allait presque frapper le fond d'un dôme peint à l'arabesque. Le château, des trois côtés, était environné d'un jardin, que les parterres, les pièces d'eau, les bosquets et mille autres agréments concouraient à embellir. Et ce qui achevait de rendre ce lieu admirable, c'était une infinité d'oiseaux qui remplissaient l'air de leurs chants harmonieux et qui faisaient toujours leur demeure, parce que des filets tendus au-dessus des arbres et du palais les empêchaient d'en sortir. Le sultan
se promena longtemps, d'appartement en appartement, où tout lui parut grand et magnifique. Lorsqu'il fut las de marcher, il s'assit dans un cabinet ouvert, qui avait vue sur le jardin. Et là, rempli de tout ce qu'il avait déjà vu et de tout ce qu'il voyait encore, il faisait des réflexions sur tous ces différents objets, quand tout à coup une voix plaintive, accompagnée de cris lamentables, vint frapper son oreille. Il écouta avec attention et il entendit distinctement ces tristes paroles. Oh fortune! Qui n'a pu me laisser jouir longtemps d'un heureux sort, et qui m'a rendu le plus infortuné de tous les hommes, cesse de me persécuter, et viens, par une prompte mort, mettre fin à mes douleurs. Hélas, est-il possible que je sois encore en vie, après tous les tourments que j'ai soufferts? Le sultan, touché de ces pitoyables plaintes, se leva pour aller du côté d'où elles étaient parties. Lorsqu'il fut à la porte d'une grande salle, il ouvrit la portière et vit un jeune homme, bien fait et très richement vêtu, qui était alors sur un trône un peu élevé de terre. La tristesse était peinte sur son visage. Le sultan s'approcha de lui et le salua. Le jeune homme lui rendit son salut, en lui faisant une inclination de tête fort basse. Et comme il ne se levait pas, « Seigneur, dit-il au sultan, je juge bien que vous méritez que je me lève pour vous recevoir et vous rendre toutes les honneurs possibles, mais une raison si forte s'y oppose que vous ne devez pas m'en savoir gré. Seigneur, lui répondit le sultan, je vous suis fort obligé de la bonne opinion que vous avez de moi. Quant au sujet que vous avez de ne pas vous lever, quelle que puisse être votre excuse, je la reçois de fort bon cœur. Attiré par vos plaintes, pénétré de vos veines, je viens vous offrir mon secours. Plût à Dieu qu'il dépendît le moi d'apporter du soulagement à vos maux. Je m'y emploierai de tout mon pouvoir. Je me flatte que vous voudrez bien me raconter l'histoire de vos malheurs. Mais, de grâce, apprenez-moi auparavant ce que signifie cet étang qui est près d'ici et où l'on voit des poissons de 4 couleurs différentes. Ce que c'est que ce château, pourquoi vous vous y trouvez et d'où vient que vous y êtes seul. Au lieu de répondre à ces questions, le jeune homme se mit à pleurer amèrement. « Que la fortune est inconstante !» s'écria-t-il. « Elle se plaît à baisser les hommes qu'elle a élevés. Où sont ceux qui jouissent tranquillement d'un bonheur qu'ils tiennent d'elle et dont les jours sont toujours purs et sereins ?» Le sultan, ému de compassion de le voir en cet état, le pria très instamment de lui dire le sujet d'une si grande douleur. « Hélas, Seigneur, lui répondit le jeune homme, comment pourrais-je ne pas être affligé, et le moyen que mes yeux ne soient pas des sources intarissables de larmes ?» À ces mots, ayant levé sa robe, il fit voir au sultan qu'il n'était homme que depuis la tête jusqu'à la ceinture, et que l'autre moitié de son corps était de marbre noir. Vous jugez bien, poursuivit Scheherazade, que le sultan fut étrangement étonné quand il vit l'état déplorable où était ce jeune homme. Ce que vous me montrez là, lui dit-il, en me donnant de l'horreur, irrite ma curiosité. Je brûle d'apprendre votre histoire, qui doit être sans doute fort étrange. Et je suis persuadé que l'étang et les poissons y sont quelque part.
Ainsi, je vous conjure de me la raconter. Vous y trouverez quelque sorte de consolation, puisqu'il est certain que les malheureux trouvent une espèce de soulagement, compter leur malheur. Je ne veux pas vous refuser cette satisfaction, repartit le jeune homme. Quoique je ne puisse vous la donner sans renouveler mes vives douleurs. Mais je vous avertis par avance de préparer vos oreilles, votre esprit et vos yeux même à des choses qui surpassent tout ce que l'imagination peut concevoir de plus extraordinaire. Histoire du jeune roi des îles Noires. Vous saurez, Seigneur, continua-t-il, que mon père, qui s'appelait Mahmoud, était roi de cet état. C'était le royaume des îles Noires, qui prend son nom des quatre petites montagnes voisines, car ces montagnes étaient ci-devant des îles. Et la capitale, où le roi mon père faisait son séjour, était dans l'endroit où est présentement cet étang que vous avez vu. La suite de mon histoire vous instruira de tous ces changements. Le roi mon père mourut à l'âge de 70 ans. Je n'eus pas plus tôt pris sa place que je me mariai, et la personne que je choisis pour partager la dignité royale avec moi était ma cousine. J'eus eu lieu d'être content des marques d'amour qu'elle me donna, et de mon côté je conçus pour elle tant de tendresse que rien n'était comparable à notre union qui dura 5 années. Au bout de ce temps-là, je m'aperçus que la reine, ma cousine, n'avait plus de goût pour moi. Un jour, qu'elle était au bain l'après-dîner, je me sentis une envie de dormir, et je me jetai sur un sofa. Deux de ses femmes, qui se trouvèrent alors dans ma chambre, vinrent s'asseoir, l'une à ma tête et l'autre à mes pieds, avec un éventail à la main, tant pour modérer la chaleur que pour me garantir des mouches qui auraient pu troubler mon sommeil. Elles me croyaient endormie, et elles s'entretenaient tout bas, mais j'avais seulement les yeux fermés et je ne perdis pas une parole de leur conversation. L'une de ces femmes dit à l'autre, « N'est-il pas vrai que la reine a grand tort de ne pas aimer un prince aussi aimable que le nôtre. Assurément, répondit la seconde. Pour moi, je n'y comprends rien, et je ne sais pourquoi elle sort toutes les nuits et le laisse seul. Est-ce qu'il ne s'en aperçoit pas? Et comment voudrais-tu qu'il s'en aperçût, reprit la première. Elle mêle tous les soirs dans sa boisson un certain suc d'herbe qui le fait dormir toute la nuit d'un sommeil si profond qu'elle a le temps d'aller où il lui plaît,
et à la pointe du jour, elle vient se recoucher auprès de lui. Alors, elle le réveille en lui passant sous le nez une certaine odeur. Jugez, Seigneur, de ma surprise à ce discours et des sentiments qu'il m'inspira. Néanmoins, quelque émotion qu'il put me causer, j'eus assez d'empire sur moi pour dissimuler, et je fis semblant de m'éveiller et de n'avoir rien entendu. La reine revint du bain. Nous soupâmes ensemble. Et avant de nous coucher, elle me présenta elle-même la tasse pleine d'eau que j'avais coutume de boire. Mais, au lieu de la porter à ma bouche, je m'approchai d'une fenêtre qui était ouverte et je jetai l'eau si adroitement qu'elle ne s'en aperçut pas. Je lui remis ensuite la tasse entre les mains afin qu'elle ne doutât point que je n'eusse bu. Nous nous couchâmes ensuite, et bientôt après, croyant que j'étais endormi, quoique je ne le fusse pas, elle se leva avec si peu de précaution qu'elle dit assez haut « Dors, et puisses-tu ne te réveiller jamais ?» Elle s'habilla promptement et sortit de la chambre. Dès qu'elle fut sortie, je me levai et m'habillai à la hâte. Je pris mon sabre et la suivis de si près que je l'entendis bientôt marcher devant moi. Alors, réglant mes pas sur les siens, je marchai doucement, de peur d'en être entendu. Elle passa par plusieurs portes qui s'ouvrirent par la vertu de certaines paroles magiques qu'elle prononça. Et la dernière qui s'ouvrit fut celle du jardin où elle entra. Je m'arrêtai à cette porte afin qu'elle ne pût m'apercevoir pendant qu'elle traversait un parterre. Et la conduisant des yeux autant que l'obscurité me le permettait, je remarquai qu'elle entra dans un petit bois dont les allées étaient bordées de palissades fort épaisses. Je m'y rendis par un autre chemin, et me glissant derrière la palissade d'une allée assez longue, je la vis qui se promenait avec un homme. Je ne manquai pas de prêter une oreille attentive à leur discours, et voici ce que j'entendis. « Je ne mérite pas, disait la reine à son amant, le reproche que vous me faites de n'être pas assez diligente. Vous savez bien la raison qui m'en empêche. Mais si toutes les marques d'amour que je vous ai données jusqu'à présent ne suffisent pas pour vous persuader de ma sincérité, je suis prête à vous en donner de plus éclatantes. Vous n'avez qu'à commander. Vous savez quel est mon pouvoir. » Je vais, si vous le souhaitez, avant que le soleil se lève, changer cette grande ville et ce beau palais en des ruines affreuses qui ne seront habitées que par des loups, des hiboux et des corbeaux. Voulez-vous que je transporte toutes les pierres de ces murailles si solidement bâties au-delà du mont Caucase et hors des bornes du monde habitable? Vous n'avez qu'à dire un mot et tous ces lieux vont changer de face. » Comme la reine achevait ses paroles, son amant et elle, se trouvant au bout de l'allée, tournèrent pour entrer dans une autre et passèrent devant moi. J'avais tiré mon sabre, et comme l'amant était de mon côté, je le frappai sur le cou et le renversai par terre. Je crus l'avoir tué, et dans cette opinion, je me retirai brusquement sans me faire connaître à la reine, que je voulus épargner parce qu'elle était ma parente. Cependant, le coup que j'avais porté à son amant était mortel. Mais elle lui conserva la vie par la force de ses enchantements, de manière toutefois qu'on peut dire de lui qu'il n'est ni mort ni vivant. Comme je traversais le jardin pour regagner le palais, j'entendis la reine qui poussait de grands cris. Et jugeant par là de sa douleur, je me sus bon gré de lui avoir laissé la vie. Lorsque je fus rentré dans mon appartement, je me recouchai, et satisfait d'avoir puni le téméraire qui m'avait offensé, je m'endormis. En me réveillant le lendemain, je trouvai la reine couchée auprès de moi. Je ne vous dirai point si elle dormait ou non, mais je me levai sans faire de bruit, et je passai dans mon cabinet où j'achevais de m'habiller. J'allai ensuite tenir mon conseil, et à mon retour, je trouvai la reine habillée de deuil, les cheveux épars et en partie arrachés. Vint se présenter devant moi. « Sire, me dit-elle, je viens supplier votre majesté de ne pas trouver étrange que je sois dans l'état où je suis.
trois nouvelles affligeantes que je viens de recevoir en même temps sont la juste cause de la vive douleur dont vous ne voyez que les faibles marques. » « Et quelles sont ces nouvelles, madame ?» lui dis-je. « La mort de la reine, ma mère, ma chère mère, » me répondit-elle, « celle du roi, mon père, tué dans une bataille, et celle d'un de mes frères, qui est tombé dans un précipice. » Je ne fus pas fâché qu'elle prit ce prétexte pour cacher le véritable sujet de son affliction, et je jugeai qu'elle ne me soupçonnait pas d'avoir tué son amant. « Madame, lui dis-je, loin de blâmer votre douleur, je vous assure que j'y rends toute la part que je dois. Je serais extrêmement surpris que vous fussiez insensible à la perte que vous avez faite. Pleurez, vos larmes sont d'infaillibles marques de votre excellent naturel. J'espère néanmoins que le temps et la raison pourront apporter de la modération à vos déplaisirs. » Elle se retira dans son appartement, où, se livrant sans réserve à ses chagrins, elle passa une année entière à pleurer et à s'affliger. Au bout de ces temps-là, elle me demanda la permission de faire bâtir le lieu de sa sépulture dans l'enceinte du palais, où elle voulait, disait-elle, demeurer jusqu'à la fin de ses jours. Je le lui permis, et elle fit bâtir un palais superbe avec un dôme qu'on peut voir d'ici. Elle l'appela le palais des larmes. Quand il fut achevé, elle y fit porter son amant, qu'elle avait fait transporter où elle avait jugé à propos, la même nuit que je l'avais blessé. Elle l'avait empêché de mourir jusqu'alors par des breuvages qu'elle lui avait fait prendre, et elle continua de lui en donner et de lui porter elle-même tous les jours, dès qu'il fut au palais des larmes. Cependant, avec tous ses enchantements, elle ne pouvait guérir ce malheureux. Il était non seulement hors d'état de marcher et de se soutenir, mais il avait encore perdu l'usage de la parole et il ne donnait aucun signe de vie que par ses regards. Quoique la reine n'eût que la consolation de le voir et de lui dire tout ce que son fol amour pouvait lui inspirer de plus tendre et de plus passionné, elle ne laissait pas de lui rendre chaque jour deux visites assez longues. J'étais bien informé de tout cela, mais je feignais de l'ignorer. Un jour, j'allai par curiosité au palais des larmes pour savoir quelle y était l'occupation de cette princesse. Et d'un endroit où je ne pouvais être vu, je l'entendis parler dans ces termes à son amant. « Je suis dans la dernière affliction de vous voir en l'état où vous êtes. Je ne sens pas moins vivement que vous-même les maux cuisants que vous souffrez. Mes chères âmes, je vous parle toujours et vous ne répondez pas. Jusqu'à quand garderez-vous le silence? Dites un mot seulement. Hélas, les plus doux moments de ma vie sont ceux que je passe ici à partager vos douleurs. Je ne puis vivre éloigné de vous et je préférerais le plaisir de vous voir sans cesse à l'empire de l'univers. » À ce discours, qui fut plus d'une fois interrompu par ses soupirs et ses sanglots, je perdis enfin patience. Je me montrai, et m'approchant d'elle, « Madame, lui dis-je, c'est assez pleurer. Il est temps de mettre fin à une douleur qui nous déshonore tous deux. C'est trop oublier ce que vous me devez et ce que vous vous devez à vous-même. »« Sire, me répondit-elle, s'il vous reste encore quelques considérations, ou plutôt quelque complaisance pour moi, je vous supplie de ne pas me contraindre. Laissez-moi m'abandonner à mes chagrins mortels. Il est impossible que le temps les diminue. » Quand je vis que mes discours, au lieu de la faire rentrer en son devoir, ne servaient qu'à irriter sa fureur, je cessai de lui parler et me retirai. Elle continua de visiter tous les jours son amant, et durant deux années entières, elle ne fit que désespérer. J'allai une seconde fois au palais des larmes pendant qu'elle y était. Je me cachai encore et j'entendis qu'elle disait à son amant « Il y a trois ans
que vous ne m'avez dit une seule parole et que vous ne répondez point aux marques d'amour que je vous donne par mes discours et mes gémissements. Est-ce par insensibilité ou par mépris? Ô tombeau, aurais-tu détruit cet excès de tendresse qu'il avait pour moi? Aurais-tu fermé ses yeux qui me montraient tant d'amour et qui faisaient toute ma joie? Non, non, je n'en crois rien. Dis-moi plutôt par quel miracle tu es devenu dépositaire du plus rare trésor qui fut jamais. Je vous avoue, Seigneur, que je fus indigné de ces paroles, car enfin, cet amant chéri, ce mortel adoré, n'était pas tel que vous pourriez vous l'imaginer. C'était un Indien noir, originaire de ces pays. Je fus, dis-je, tellement indigné de ce discours que je me montrai brusquement, et apostrophant le même tombeau. « Ô tombeau ! » m'écriai-je. « Que n'engloutis-tu ce monstre qui fait horreur à la nature, ou plutôt, ne consumes-tu l'amant et la maîtresse ?» J'eus à peine achevé ces mots que la reine, qui était assise auprès du noir, se leva comme une furie. « Ah, cruel ! » me dit-elle. « C'est toi qui causes ma douleur. Ne pense pas que je l'ignore. Je ne l'ai que trop longtemps dissimulé. C'est ta barbare main qui a mis l'objet de mon amour dans cet état pitoyable où il est. Et tu as la dureté de venir insulter une amante au désespoir. » « Oui, c'est moi, » interrompis-je, transporté de colère. « C'est moi qui ai châtié ce monstre comme il le méritait. Je devais te traiter de la même manière. Je me repens de ne pas l'avoir fait. Et il y a trop longtemps que tu abuses de ma bonté. » En disant cela, je tirai mon sabre et je levai le bras pour la punir. Mais, regardant tranquillement mon action, « Modère ton courroux, » me dit-elle avec un sourire moqueur. En même temps, elle prononça des paroles que je n'entendis point et puis elle ajouta « Par la vertu de mes enchantements, je te commande de venir tout à l'heure, moitié marbre, moitié homme. » Aussitôt, Seigneur, je devins tel que vous me voyez, déjà mort parmi les vivants et vivant parmi les morts. Après que la cruelle magicienne, indigne de porter le nom de reine, m'eut ainsi métamorphosée et fait passer en cette salle par un autre enchantement, elle détruisit ma capitale qui était très florissante et fort peuplée. Elle anéantit les maisons, les places publiques et les marchés et en fit l'étang et la campagne déserte que vous avez pu voir. Les poissons de quatre couleurs qui sont dans l'étang sont les quatre sortes d'habitants de différentes religions qui la composaient. Les blancs étaient les musulmans, les rouges les perses adorateurs du feu, les bleus les chrétiens, les jaunes les juifs. Les quatre collines étaient les quatre îles qui donnaient le nom à ce royaume. J'ai appris tout cela de la magicienne qui, pour comble d'affliction, m'annonça elle-même ses effets de sa rage. Ce n'est pas tout encore. Elle n'a point borné sa fureur à la destruction de mon empire et à ma métamorphose. Elle vient chaque jour me donner sur mes épaules nues, sans coups de nerf de bœuf, qui me mettent tout en sang. Quand ce supplice est achevé, elle me couvre une grosse étoffe de poils de chèvre et met par-dessus cette robe de brocart que vous voyez, non pour me faire honneur, mais pour se moquer de moi. En cet endroit de son discours, le jeune roi des îles Noires ne put retenir ses larmes, et le sultan en eut le cœur si serré qu'il ne put prononcer une parole pour le consoler. Peu de temps après, le jeune roi, levant les yeux au ciel, s'écria « Puissant créateur de toutes choses, je me soumets à vos jugements et aux décrets de votre providence. Je souffre patiemment tous mes maux. Puisque telle est votre volonté, mais j'espère que votre bonté infinie me récompensera. » Le sultan,
Attendri par le récit d'une histoire si étrange et animé à la vengeance de ce malheureux prince, lui dit « Apprenez-moi où se retire cette perfide magicienne et où peut-être cet indigne amant qui t'ensevelit avant sa mort. » « Seigneur, lui répondit le prince, l'amant, comme je vous l'ai déjà dit, est au palais des larmes, dans un tombeau en forme de dôme, et ce palais communique à ce château du côté de la porte. Pour ce qui est de la magicienne, je ne puis vous dire précisément où elle se retire, mais tous les jours au lever du soleil, elle va visiter son amant, après avoir fait sur moi la sanglante exécution dont je vous ai parlé. » Et vous jugez bien que je ne puis me défendre d'une si grande cruauté. Elle lui porte le breuvage qui est le seul aliment avec quoi jusqu'à présent elle l'a empêché de mourir. Et elle ne cesse de lui faire des plaintes sur le silence qu'il a toujours gardé depuis qu'il est blessé. Prince, qu'on ne peut assez plaindre, repartit le sultan. On ne saurait être plus vivement touché de votre malheur que je ne le suis. Jamais rien de si extraordinaire n'est arrivé à personne. Et les auteurs qui feront votre histoire auront l'avantage de rapporter un fait qui surpasse tout ce qu'on a jamais écrit de plus surprenant. Il n'y manque qu'une chose, c'est la vengeance qui vous est due. Mais je n'oublierai rien pour vous la procurer. En effet, le sultan, en s'entretenant sur ce sujet avec le jeune prince, après lui avoir déclaré qui il était et pourquoi il était entré dans ce château, imagina un moyen de le venger, qu'il lui communiqua. Il convint des mesures qu'il y avait à prendre pour faire réussir ce projet, dont l'exécution fut remise au jour suivant. Cependant, la nuit étant fort avancée, le sultan prit quelque repos. Pour le jeune prince, il la passa à son ordinaire dans une insomnie continuelle. Il ne pouvait dormir depuis qu'il était enchanté, mais avec quelque espérance néanmoins d'être bientôt délivré de ses souffrances. Le lendemain, le sultan se leva dès qu'il fut jour, et pour commencer à exécuter son dessein, il cacha dans un endroit son habillement de dessus, qui l'aurait embarrassé, et s'en alla au palais des larmes. Il le trouva éclairé d'une infinité de flambeaux de cire blanche, et il sentit une odeur délicieuse qui sortait de plusieurs cassolettes de fine or, d'un ouvrage admirable, toutes rangées dans un fort bel ordre. D'abord qu'il aperçut le lit où le noir était couché, tira son sabre et ôta sans résistance la vie à ce misérable dont il traîna le corps dans la cour du château. Il le jeta dans un puits. Après cette expédition, il alla se coucher dans le lit du noir, mit son sabre près de lui sous la couverture et y demeura pour achever ce qu'il avait projeté. La magicienne arriva bientôt. Son premier soin fut d'aller dans la chambre où était le roi des îles noires, son mari. Fille le dépouilla et commença par lui donner sur les épaules les 100 coups de nerf de bœuf avec une barbarie qui n'a point d'exemple. Le pauvre prince avait beau remplir le palais de ses cris, la conjurer de la manière du monde la plus touchante d'avoir pitié de lui, la cruelle ne cessa de le frapper qu'après lui avoir donné les 100 coups. « Tu n'as pas eu de compassion de mon amant, lui disait-elle. Tu ne vas point en attendre de moi. » Elle le revêtit ensuite du gros habillement de poils de chèvre et de la robe de brocart par-dessus. Puis elle alla au palais des larmes, et en y entrant, elle renouvela ses pleurs, ses cris et ses lamentations, et s'approchant du lit, où elle croyait que son amant était toujours. « Quelle cruauté ! S'écria-t-elle. D'avoir ainsi troublé le contentement d'une amante aussi tendre et aussi passionnée que je le suis. Ô toi qui me reproches que je suis trop inhumaine quand je te fais sentir les effets de mon ressentiment, « cruel prince, ta barbarie ne surpasse-t-elle pas celle de ma vengeance ? Ah, traître, en attentant à la vie de l'objet que j'adore, ne m'as-tu pas ravi la mienne ?»« Hélas, ajouta-t-elle,
en adressant la parole au sultan, croyant parler au noir. « Mon soleil, ma vie, garderez-vous toujours le silence? Êtes-vous résolu à me laisser mourir sans me donner la consolation de me dire encore que vous m'aimez? Mon âme, dites-moi au moins un mot, je vous en conjure. » Alors le sultan, feignant de sortir d'un profond sommeil, et contrefaisant le langage des Noirs, répondit à peine d'un ton grave. « Il n'y a de force et de pouvoir qu'en Dieu seul, qui est tout puissant. » À ces paroles, la magicienne, qui ne s'y attendait pas, fit un grand cri pour marquer l'excès de sa joie. « Mon cher seigneur, s'écria-t-elle, ne me trompais-je pas? Est-il bien vrai que je vous entends et que vous me parlez ?»« Malheureuse, reprit le sultan, es-tu digne que je réponde à tes discours ?»« Et pourquoi, répliqua la reine, me faites-vous ce reproche ?» Les cris, repartit-il, les pleurs et les gémissements de ton mari, que tu traites tous les jours avec tant d'indignité et de barbarie, m'empêchent de dormir jour, nuit et jour. Il y a longtemps que je serais guéri et que j'aurais recouvré l'usage de la parole si tu l'avais désenchanté. Voilà la cause de ce silence que je garde et dont tu te plains. Eh bien, dit la magicienne, pour vous apaiser, je suis prête à faire ce que vous me commanderez. Voulez-vous que je lui rende sa première forme ? Oui, répondit le sultan, et hâte-toi de le mettre en liberté, afin que je ne sois plus incommodé de ses cris. La magicienne sortit aussitôt du palais des larmes. Elle prit une tasse d'eau et prononça dessus des paroles qui la firent bouillir, comme si elle eût été jetée sur le feu. Et elle alla ensuite à la salle où était le jeune roi son mari. Elle jeta de cette eau sur lui en disant « Si le Créateur de toutes choses t'a formé tel que tu es présentement, ou s'il est en colère contre toi, ne change pas. Mais si tu n'es dans cet état que par la vertu de mon enchantement, reprends ta forme naturelle et redeviens tel que tu étais auparavant. » À peine eut-elle achevé ces mots que le prince, se retrouvant dans son premier état, se leva librement, avec toute la joie qu'on peut s'imaginer, et il en rendit grâce à Dieu. La magicienne reprenant parole, « Va, lui dit-elle, éloigne-toi de ce château, et n'y reviens jamais, ou bien elle t'en coûtera la vie. » Le jeune roi, cédant à la nécessité, s'éloigna de la magicienne sans répliquer, et se retira dans un lieu écarté, où il attendit impatiemment le succès du dessein dont le sultan venait de commencer l'exécution avec tant de bonheur. Cependant, la magicienne retourna au palais des larmes, et en entrant, comme elle le croyait toujours, parler au noir. « Cher amant, lui dit-elle, j'ai fait ce que vous m'avez ordonné. Rien ne vous empêche de vous lever et de me donner par là une satisfaction dont je suis privé depuis si longtemps. » Le sultan continua de contrefaire le langage des Noirs. « Ce que tu viens de faire, répondit-il d'un ton brusque, ne suffit pas pour me guérir. Tu n'as ôté qu'une partie du mal. Il faut en couper jusqu'à la racine. » « Mon aimable Noir, reprit-elle, qu'entendez-vous par la racine ?»« Malheureuse, reprit le sultan, ne comprends-tu pas que je veux parler de cette ville et de ses habitants, et des quatre îles que tu as détruites par tes enchantements. Tous les jours, à minuit, les poissons ne manquent pas de lever la tête hors de l'étang et de crier vengeance contre moi et contre toi. Voilà le véritable sujet du retardement de ma guérison. Va promptement rétablir les choses en leur premier état, et à ton retour, je te donnerai la main, et tu m'aideras à me lever. »
1h10 du matin sur Radio Campus. Cet épisode d'Écho dans la nuit se termine. Vous avez entendu en début d'émission quelques poèmes de Gérard de Nerval, Myrto. Ni bonjour ni bonsoir, Horus, le roi de Thulé, et Une allée du Luxembourg, suivi de la suite des contes des mille et une nuits, à laisser à nouveau en suspens pour vous obliger à écouter les prochains épisodes d'Écho dans la nuit, où leur racontage sera continué. Je vous donne donc rendez-vous en fin de cette nouvelle semaine, à dimanche minuit comme d'habitude. Et d'ici là, je vous souhaite de faire de beaux rêves. Belle nuitée.